Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis de vous retrouver pour ce TP Live. Je suis en présence évidemment de Jean-François Lasserre qui va animer cette séance et de Josette qui est aussi avec nous ce soir. Merci à vous d'être... Ouais, Josette, que vous... Ah non, vous êtes cachée. Elle est là quand même. Je suis avec vous, avec les 150 cabinets qui sont inscrits pour la deuxième session. On va faire les étapes successives de masques, de clés, de préparation. Donc très souvent, je vais commencer par ma ligne incisive, étirer le composite. On passe à l'autre dent, par exemple la dent d'à côté, qui est la 12. Bon, je ne veux pas trop mettre de bonding sur les dents parce que sur la maquette, ça colle énormément. Et positionner correctement. Et le geste, c'est 30 degrés par rapport à la racine. Et tasser le fil sur lui-même. Vous voyez mon mouvement, je tasse le fil sur lui-même. Alors, on démarre. Et là, vous voyez, je fais mon rainurage. Alors, c'est vrai que souvent, on dit on s'appuie jusqu'à l'âme. Les rainurages doivent être aux alentours de 0,4, 0,5, vous voyez. N'allez pas m'enfoncer. J'ai des débutants, des fois, les étudiants, ils enfoncent tellement la fraise qu'ils sont tout de suite dans la dentine. Ça, c'est une grosse erreur. L'objectif, c'est de respecter les mailles. Dernier point, je vais faire ce que j'appelle la forme de centrage qui permet d'éviter l'aquaplaning à ma facette. Je sépare la dent en 3 tiers par exemple et je vais la mettre à la jonction du tiers moyen et du tiers inférieur à peu près. 14. Voilà, vous avez compris l'hémisphère ? C'est belle, hein ? Le verrier, elle se clip bien. Le verrier en mer déborde, alors moi je suis un peu pressé au pinceau, hop, je l'essuie. Voilà. Une autre question. Donc on espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez voir le volume 2 avec Jean-François, donc on a la box collage de facettes qui est maintenant disponible. N'hésitez pas à consulter le programme qui est disponible sur le site. Le TP aura lieu mi-novembre avec Jean-François aussi. Mi-novembre. Je vous remercie d'avoir été aussi patient parce que je ne suis pas allé particulièrement vite. Je sais que 2 heures, c'est juste pour vous, hein, pour faire un TP. Ne vous découragez pas. Merci Jean-François, merci Josette, merci à tous d'avoir participé à ce TP. On espère que ça vous aura plu. On vous souhaite une belle continuation à tous. Et à très vite. Allez, au revoir. On vous aime.